Salut les amis, c'est Monsieur Lourdes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de 7 Days to Die. Les amis, nous continuons notre aventure, nous sommes jour numéro 37 et qu'est-ce que j'ai fait durant cette nuit? Bah pas grand-chose, hein. J'ai changé les pièces des armes qu'on avait récupérées, j'ai fait tout le deuxième rang en barreau là pour éviter que les zombies ne montent trop quand on est en train de les tuer les jours de horde. Et j'ai réparé les murs, j'ai amélioré les murs en béton en acier. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de refaire des aciers forgés et que j'ai tout claqué, bien sûr, toute ma ferraille dedans parce que c'est abusé, hein, c'est abusé le nombre de fer qu'il vous faut. Donc par contre ça, on va ranger l'argile parce que l'argile il y en a assez vu qu'on va descendre les forges et on va plutôt faire fondre du fer. Ça sera peut-être plus intéressant, voilà. Allez, aujourd'hui, bah, l'outance, hein, comme d'habitude. La forêt. Non. Donc ouais, la forêt, on va les laisser ici. Les défenses, hein, j'ai dit qu'on fera le réapprovisionnement juste avant le jour de horde. Donc vers le 41e jour. Même 42, le jour... Ouais, le jour de la Horde, hein, le 42e jour. Si je me trompe pas. Hein, 35 plus 7, ça fait bien 42. Donc voilà, hein, j'ai mis le deuxième rang de barreaux. Je vais vous montrer aussi l'amélioration, voilà, en ferraille du rang supérieur de béton. Bon, à part le coin, bien sûr, mais voilà, tout ça. Donc il y a tout ce mur qui est fait, la moitié de celui-ci. Et j'en ai dépensé 400. Hein, donc bah voilà, il m'en faut pratiquement plus. Autant, même plus, pour la suite. Mais aujourd'hui, on va continuer de looter. Hein, on va continuer de looter, donc on va retourner looter l'hôpital. Hein, il nous reste. On avait fait le rez-de-chaussée et le premier étage, donc on va faire le deuxième étage. Et je crois qu'il y a le troisième étage. Ou alors ça sera le toit. Hein, de toute façon, il y a un deuxième étage sûr. Mais si c'est pas un troisième étage au-dessus, ça sera le toit. Voilà. Donc là, c'est parti. On part sur la lootance. Comme d'habitude, pour nos journées un petit peu tranquilles. Peut-être pas encore d'accélérer aujourd'hui, je sais pas, on va voir, selon mon humeur. On part sur de la lootance, on n'a plus trop rien en fait à chercher pour l'instant, à part des pièces maintenant pour faire les tronçonneuses, tout ça, comme je vous l'ai dit. Au niveau des loots à apprendre, enfin des crafts à apprendre, il y a plus grand chose, je crois. On va quand même s'amuser avec des zombies parce que c'est vrai que. Ah, d'accord. Celui-là, voilà. C'est vrai que les zombies, on en voit pas beaucoup en ce moment. Ah, bah, c'est impeccable. On en voit pas beaucoup, donc du coup, si on peut s'amuser un petit peu avec eux, ça peut être sympa. Ok. Ouais, non, les bouteilles d'eau, on en a un paquet. On ne sait plus quoi en faire donc. D'ailleurs, faudra qu'on. Justement, je regardais ce que. J'étais en train de me réapprovisionner, hein, en nourriture et en boisson. Juste avant de lancer l'épisode. Et j'ai vu que va nous falloir du yucca dans pas très longtemps. Donc, faudra qu'on aille faire un petit tour au yucca d'ici quelques jours. Je pense avant la forge. Hein, avant la horde. Avant la prochaine horde, on ira faire un petit tour dans le désert. Vas-y, récupère du laiton, c'est toujours ça de pris. Là, faudrait qu'on passe un niveau en fait, hein, pour avoir le point de qualité. Ça, on l'a déjà appris, je crois. Oui. Pour avoir le point de qualité là, qui nous augmenterait un petit peu les meilleurs loot et tout ça. Enfin, la possibilité d'avoir du meilleur loot dans les loots, hein, pas dire qu'on aura obligatoirement un meilleur loot, mais. Oh, tiens, de la bouffe, toujours ça pris. Des pneus aussi. Si on peut avoir des pneus violets, c'est ce qui nous manque, hein, dans les voitures. Et bon, là, on est en train de looter à l'extérieur. Faut qu'on s'occupe. Ah, il y a un troisième étage et il y a le toit. Voilà. Où est-ce que j'ai foutu l'ouverture? Donc, rendez-vous, deuxième étage.
Voilà, normalement c'est ici. Qu'on n'a pas looté ici. Ouais. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va choper de beau? Alors bien sûr, on va essayer de choper des trucs bien, hein. Tant qu'à faire. Ok, ça commence bien. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. C'est génial. Ok, super. Let's go. Ce qui est bien, c'est que ça va nous aider, ça. C'est les plantes, on va les laisser. Faut qu'on ait quelque chose de bien quand même, allez, s'il vous plaît, quoi. Daubasse, quoi, la daubasse. Putain, de la flotte, ils veulent nous en donner aujourd'hui, tiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir soif? Pas moi, donnez-moi des munitions, donnez-moi je sais pas moi, ça serait plus intéressant quand même d'avoir des munes. La bouffe, on est bien, la bouffe, on est bien, je pense là. Faudrait qu'on c'est un C4, on part vite fait à la chasse. Faudrait que je récupère des œufs, tiens, c'est vrai que les plumes on les laissera dans les nids, je pense, mais les œufs faudrait qu'on les récupère. Merde, faut pas lui prendre ça. On est dans les toilettes. Très bien. Allons voir dans les toilettes. Ouais, des viandes, la viande, on en a 8 en stock. Actuellement. Ah, attendez, je vais reposer ça par contre. On en a 8 en stock de la viande, donc. On a quoi de faire cuire, mais il faudrait quoi? Il faudrait qu'on récupère des œufs histoire de faire des œufs bacon là. Toujours meilleur que de la viande toute simple. Même temps, je fouille dans les toilettes, quoi, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, je fouille dans les toilettes, hein. Papier, on va le laisser. Quoique le papier, faudrait que je le récupère pour les munitions de pompe. La colle, ouais. Papier, faudrait qu'on récupère pour les munitions de pompe, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'y pensais plus. La bière, on va la prendre. Non, non, on a des zombies dehors, hein. Ok, très bien. On a des zombies qui nous attendent dehors, on a un comité d'accueil. Ou on a plutôt un comité de sortie, parce que c'est quand on sortira qu'on va aller les taper. Putain, mais y a Walou, c'est quoi ce loutance, quoi? C'est quoi cette loutance dégueulasse? Alors là, c'est plus un étage où il y a des bureaux, hein. Il n'y a pas trop, pas trop de trucs. Ça, c'est pourquoi ça, fusil de chasse, on est bien. Celle-ci en bleu, on va la prendre. Je sais plus ce qu'on a, je crois qu'on en a une verte. Toute façon, on n'est pas à une pièce près, donc du coup, on la prend quand même. Ah, mais la loutance dégueulasse, quoi, sérieusement. Heureusement qu'on se fait chier à monter le glanage et la qualité, tout ça, hein, parce qu'autrement, qu'est-ce que ça serait, quoi? Qu'est-ce que ça serait, les loots? Sérieusement? Oh mon dieu, quoi, la décevance. OMG, mais mettez-moi des loots, quoi, sérieusement, ça sert à quoi? Garde-le ton chapeau, garde-le! Ah, pour l'instant, on n'a vraiment rien d'intéressant, quoi. Donc, deuxième étage, ça c'est fait. Passe au troisième. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé encore une fois. Ah, on a une terrasse.
On a la terrasse. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a sur la terrasse? Par des chaises et les tables, il n'y a rien. Il y a une corbeille. Ouais, super quoi. Ouais, génial. Merci. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire dehors là-bas, là, les petits zigotos. Alors, on a une petite chambre ici. Bonjour, c'est le médecin. Oh là là, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Fuc quoi, fuc. Ok, bonjour. Par contre, enfin moi je sais pas, mais si je vais à l'hôpital et j'ai une chambre comme ça, commune, où il y a les chiottes qui sont à l'air libre comme ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Hein. Après moi je dis ça, je dis rien, mais... Si j'arrive dans une chambre où c'est comme ça, franchement je me corse. Hein. Bon, bah, cette porte, c'est pas la peine. C'est ce que c'est. Oh là 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 là, les loots. Oh, mais les loots. C'est la folie. C'est la folie. Ah, des cartons. C'est quoi, les cartons de médicaments ou des cartons de bouffe? Alors je vais t'en prendre un aussi, un écran, tiens, pour ramener à la maison. Pour faire genre on se met la télé, tout ça, quoi. Hein? On sera un petit coin salon, on sera des fauteuils, on sera un lit, toi, histoire de dire qu'on est à la maison. Hein? Oh mon Dieu. Ça sera rigolo. Bon, ça on le connaît normalement, ouais, voilà. Tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire. Alors, les vitamines, par contre, on va les utiliser. Parce que ça ne sert absolument à rien à part monter le wellness, donc on prend. Le bien-être, bien sûr, pour ceux qui sont pas anglophones. Ça on va prendre aussi. Qualité bleue, ça peut servir, on sait jamais. Au pire, il y en a qui est pas content. Au pire, ça fait du fer, hein, ne vous inquiétez pas, ça, c'est le recyclage. Autant les crosses, je suis obligé de les balancer dans un coffre parce que ça prend de la place pour rien. Mais tout ce qui est métallique, ça part au recyclage, donc c'est pas un problème de récupérer. Putain, les vitamines là, par contre, ça y va quoi. Des bandages aussi, ça c'est cool. C'est vrai qu'on avait très peu de bandages du coup. Là c'est le plaisir. Ok, bah c'est le dernier étage, on fera le toit. On ira faire vite fait le toit quand même. Il va pas y avoir grand chose sur le toit, donc on fera vite fait le toit avant de partir poser nos affaires à la maison et aller faire l'airdrop. Ça c'est walouf. Qui a réussi à rentrer dedans? Étonnant quand même. Ok, ils sont peut-être capables. Ouh, c'est la caverne d'Ali Baba ici, je crois. Ah ouais, il a peut-être un qui est dedans. Oh là, c'est la boîte à pharmacie là. Allez, vas-y, fais plaisir. Donne médicaments, donne. Ah putain encore. Enfin, c'est bien parce que ça nous fait quand même monter la science hein, tout ça donc bon, les antibiotiques on va les laisser du coup. Quoique.
partir sur la recyclance. Hop. Et ça nous fait gagner de la place. Je voulais pas mettre ça. Bonjour. J'ai l'impression qu'il est à côté de moi, le bordel. Il doit être à l'intérieur, je pense. Hein. Il doit être à l'intérieur. Ah, ça par contre, je voudrais bien. Ça, j'en peux pas voir aussi. On va se mettre sur l'arme, hein. Normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. On va se mettre sur l'arme, ça s'ouvre sur l'intérieur, donc on va faire gaffe. Ah, si, il y a un sac ici. Et on va aller vite fait sur le toit. Ah, c'est pas le toit, ça, c'est. Ok, sur le toit, y'a rien. Ça, c'est le truc de l'hélicoptère. Ok. Bonjour, monsieur. Ouh, qu'est-ce que je peux jeter, monsieur? Attendez, bougez pas. On va la laisser, on la prendra plus tard. Là, ça, après. Ça, c'est du plomb pour recyclage. Voilà, impeccable. Allez, c'est la rentration à la maison. Ah, bah oui, ils sont rentrés. C'est bon, c'est vous qui faisiez du bruit comme ça? Vous avez des copains ou pas? Il est venu tout seul. Avec tout le boucan qu'il a fait, il est venu tout seul. Bon allez, direction à la maison. On va vider tout ça. L'airdrop. Oh, le saut de cabriole. Faites pas semblant, monsieur. Faites pas semblant, c'est pas gentil. Oh, vas-y, dégage. Allez. On a un trésor aussi. C'est vrai que j'y pensais plus, mais on a un trésor à aller chercher aussi. Peut-être qu'on fera ça aussi, mini-bike, vite, vite, au trésor, quoi. Ça peut être l'épisode de demain. Ouais, ça pourrait être l'épisode de demain. On a fini de looter. On va repartir sur la lootance de la maison, maintenant. Donc, avant de partir sur une reloutance maison, on va partir sur un trésor. Ouais, on ira faire ça demain, tiens, on prendra la mini-bike. Hop là, j'ai vu un carton. On prendra la mini-bike et... Oh, fuck, un carton avec du bois, quoi. On prendra la mini-bike et on ira vite fait au trésor. Parce que je voulais montrer en live, ça, quand on faisait les lives sur ce jeu, qu'on a arrêté depuis. Je vous ai montré en live, mais je vous ai pas montré en épisode YouTube. Donc, voilà, demain, on prend la mini-bike, même si on n'a pas le panier, c'est pas grave. Et on va direction le trésor. Par contre, la pluie, ça me fait un petit peu chier. Le champ de coton, je crois qu'il a poussé. On va pouvoir le récolter, je pense. Ouais, on va pouvoir le récolter. Je le ferai aussi. En off, bien sûr, hein, pour pas qu'on perde du temps pour rien. Parce que de la récoltance, on me dirait, la lootance, c'est rien. C'est vrai qu'on a rien looté, mais... Alors, ça... Et puis c'est tout. J'ai commencé un petit peu à mettre des trucs, hein, sur en bas. Hop, hop, hop. Si, les attelles, à chaque fois j'oublie de mettre les attelles. Les painkillers.
Donc ouais, j'ai commencé à mettre des trucs en bas. On va faire que je commence à transvaser aussi, ça va être sympa. Ça, après, je le fais en off, hein, tout ce qui est changeage de pièces et tout ça. J'ai oublié de ranger la bière, tiens. J'ai oublié de ranger la bière. Je rebalance des fers forgés, bien sûr, avec tout ce qu'on a fait là. J'ai cette musique dans la tête à cause d'une publicité, quoi. Allez, l'airdrop, il est par là-bas. C'est parti. Si on croise des nids, on récupère. On va essayer de récupérer des œufs. Les plumes, on va les laisser. On n'a pas tellement besoin pour l'instant. Au pire, quand on verra qu'on aura bien gaspillé, on reviendra en chercher. Hein. C'est pas ce qui manque, hein, les nids d'oiseaux. Ah, bien sûr, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Pam pararam, pam pararam. Ça aussi, on a fait il n'y a pas longtemps. Ah, on commence à avoir froid, il fait 42 degrés, j'ai pas pris de blouson. Ça, c'est la pluie. C'est la pluie qui fait ça, j'ai pas pris de blouson, merde. On va peut-être prendre des dégâts parce qu'on est en train de descendre bien bas là. Oh merde, j'ai pris les plumes, quel con. Quel con. Non, on prendra pas les plumes, on en a assez. Qu'est-ce que je fais, premier nid, on prend les plumes, allez, vas-y. Ah là 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 là. Sacré moitié. Bon, je vais les reposer, tiens. Hop, vas-y, fais-toi plaisir. Merde, on a fait celui-ci. Allez, voilà, donnez-moi des œufs. Une ouabe. Ah, là, déjà, il pleut plus, ça c'est cool. La température va remonter. J'espère. On est à 28 degrés Fahrenheit, on a très très froid. Là, il y a du soleil, là, il y a du soleil, redonne-moi de la chaleur. Faudrait que je pense avoir ouais, au moins un blouson sur moi, quoi. Pour justement ce problème-là, quoi. Je souffre d'une hypothermie de niveau 1. Bah allez, remonte là la chaleur. On doit être dans les moins quelque chose à mon avis. 18 degrés Fahrenheit. Putain, c'est la mort ça. Pour l'instant, on prend pas de dégâts. Ah, la chaleur remonte, c'est 19 degrés. On court et tout ça, il fait soleil et la chaleur remonte pas assez vite, c'est chaud. 27 nids pour récolter 2 œufs. Ah bah oui, on va aller dans la neige en plus, impeccable, bah oui. Je suis à poil, hein, bien sûr, vous le savez. Hein, je porte, à part mon casque de mineur et puis c'est tout, j'ai rien d'autre, comme mon débardeur et mon calchonche. Mon calchonche. Oh putain, il fait 17 degrés Fahrenheit. On va mourir. On va mourir. Là, je serais content de looter un petit blouson, un petit t-shirt, tout ce que vous voulez. Et le bûcheron. Allez, bouge. Non, 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 mais tu pars. Hein. Oh, putain. Il faut que tu meurs. Allez, 6 degrés Fahrenheit, on va crever. On va crever. Ah, une casquette. Un pantalon. Donne un pantalon, donne un pantalon. Donne un pantalon vite. Vas-y, remonte. On a 0. 0 degrés Fahrenheit. Oh, on va mourir. Vous souffrez d'une hypothermie niveau 3. Trouvez des vêtements, un abri, un feu, un camp. Rapidement, vite. On est dans le caca. On va mourir. Et ça serait nul de mourir. J'ai pas d'endurance en plus. C'est relou. C'est relou quand on n'a pas d'endurance comme ça. Ça serait nul de mourir quand même sur.
sur une hypothermie, quoi. Ça serait complètement débile. Allez, vite, vite, vite. Ah, puis j'ai pas d'endurance, ça me saoule. Foreuse, on connaît. Mitraillette, on connaît. On prend les soins, ça sera toujours ça de prix. Eh bien, et je peux pas courir à cause de l'hypothermie, en fait. Je saute, là, ça fait de la chaleur, ça. Bon, je pense qu'on a le temps de revenir. On a encore 138 de vie, mais on en perd quand même. Mais là, à cette vitesse-là, on n'est pas rendu, quoi. À cette vitesse-là, on n'est pas rendu, les amis. J'ai pas d'endurance, j'ai pas de... Est-ce que ça leur donne de l'endurance, ça ? Vas-y, bouge. Vas-y, vas-y. On a un petit peu d'endurance. Vas-y, cours. Il veut pas courir, ce bâtard. Ouais, bah, des coups, on a plus rien, quoi. Faut qu'on sorte de la neige. Je pense qu'on a le temps de sortir de la neige, c'est pas un souci. On devrait pouvoir sortir de la neige. Avant de mourir, je pense. Ah, mais on perd de la bouffe aussi. Ah, ça nous a niqué notre bouffe, ça. Oh, mon Dieu. Si je prends un kit de soins, ça fait quoi? Ça ne me donne pas de chaleur. Ça ne me donne pas de chaleur. Merde, merde. Vas-y, on va sortir de la neige. On est bientôt sorti. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est sorti, oui. C'est la fin de la neige. C'est bon, c'est bon. On prend de la chaleur. Vas-y, ça remonte. 4 degrés. Oh, le stress. Par contre, on a faim. Alors, faut vite qu'on rentre. Ah, hypothermie niveau 1. Ok, c'est bon, c'est redescendu, c'est nickel. Au pire, je mange les œufs crus, moi. Y a pas de souci, hein. Y a pas de problème, moi je mange les œufs crus quand vous voulez. Oh, le stress, quoi. Pourrais construire des vêtements, c'est ça qui est con, c'est que j'aurais pu me faire des vêtements avec les fibres, les trucs des vêtements en tissu là, ça m'aurait déjà aidé, quoi. Mais bon, pas le temps, quoi. Ah oui, j'ai plus d'endurance, merde. Plus d'endurance, plus de bouffe. Il me reste 7% de bouffe, ça devrait tenir jusqu'à la maison quand même. Et la chaleur remonte, là on est à 30 degrés, ouais, c'est bon, il n'y a plus de stress à avoir. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Cette cascade a été réalisée par des professionnels. Bon, allez, reviens à endurance là parce que j'ai pas que ça à faire. Allez, vas-y, cours un petit peu. Cours, Forest, cours! Parce que là, on perd du temps en plus. C'est du temps perdu non utilisé à bon escient. Quoi que vous me direz, la nuit, je fais rien, je fais pas grand chose non plus. Je tourne un petit peu en rond, je fais 2-3 trucs et... Ah, c'est mon ventre, ok, je crois que c'était qu'un zombie qui était à côté de nous. Je fais un petit peu n'importe quoi. Oh, la pluie, par contre, on va reprendre de l'humidité, on va reprendre du froid. Ok, c'est cool ça, merci. Ça c'est souvent. Putain, t'ouvres des loots, t'as un de bois, quoi. T'as une planche de bois, mais s'il vous plaît, quoi. Je sais pas, moi, donnez-moi une maison, ou donnez-moi, je sais pas, quoi. 150 de laiton, ça serait cool. Ah, putain, on l'a fait celui-ci. Bon, en même temps, les nids proches de nous, proches de chez nous. Merde, j'ai pris les plumes. Les lits proches de chez nous, je devrais me dire que oui, c'est obvious qu'on les a fait, hein, la plupart.
T'as vu que c'est pareil, on utilise très souvent les mêmes trajets, du coup on passe toujours pratiquement aux mêmes endroits. Ouh, il y a la fin. Oh mon dieu, à la fin. Et là, ce qui me rend bien, c'est la pluie, parce que là, même sur le toit, je vais avoir de la pluie. Du coup, je vais être humide. Oh, je suis tout humide. Bon. Alors. On a 4 œufs. On va manger vite fait, parce que c'est le dawa, c'est le bourgel. Vas-y, mange. Ah, la pluie s'arrête, ça par contre c'est cool. Ouais, on a 100%. On va buve vite fait. Pourquoi il veut pas que je buve? Mais non, je fais rien là, monsieur, arrêtez. Oh, il a bugué. On va attendre qu'il débug. Les trucs de soins là, on a. Voilà quoi. On a foison, quoi. C'est impressionnant. Ça part à la recyclance. Ça. Hop. Ça. Ensuite, ça. C'est bon, là je peux buve maintenant. Ah, j'ai pas soif. Ok, je dois être full alors. Très bien. Bon, ben voilà, impeccable. Moi je vais récupérer mes fers forgés. Ici j'avais mis quoi à partir? Du ciment. Du ciment, donc je vais prendre du sable et des pierres. Je crois qu'il faut deux pierres, donc là ouais, on a 2000, impeccable. Voilà. Ici j'avais mis des trucs à partir ou pas? Non, j'avais rien mis. Ok, bah écoutez les amis, nous on va se quitter là, hein, je pense pour cet épisode. Moi je vais continuer de passer le rang en fer forgé. Je vais faire du ciment dans la bétonnière en bas. Et je sais pas trop quoi faire en fait. Faudrait que je creuse mon tunnel de passage secret pour éviter de passer par ce bâtiment, par le toit du bâtiment. Et du coup avoir une petite entrée un peu plus loin. Un peu plus loin pour rentrer en dessous et puis voilà, pour être tranquille. Ouais, on va voir comment que ça se déroule. Je vais peut-être commencer aussi à transvaser hein, toutes nos affaires en bas. Et puis voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu les amis. On se retrouve demain pour la suite. On ira à la recherche du trésor qui est vers où? Qui est vers là-bas, le trésor. Il a l'air d'être très très loin parce que même sur le toit du truc, on le voit à peine. Donc on partira à la recherche du trésor, on prendra la mini-bike. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas que vous pouvez partager, liker et commenter comme d'habitude. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et bien à demain et bye bye.